En novembre 2016, 67 faucheurs volontaires d'OGM ont neutralisé, dans la région de Dijon, des parcelles d'essai de colza génétiquement modifiées. Des OGM cachés pour ces faucheurs qui militent pour que Dijon Céréales cesse la culture de nouvelles variétés. Les précisions avec Anne Berger et Damien Rabezen. Quelques sacs de colza, le résultat d'une récolte sauvage menée ce matin sur trois parcelles expérimentales autour de Dijon. C'était le 28 novembre 2016. Les faucheurs volontaires viennent de mener une nouvelle action. Ils investissent les locaux de Dijon Céréales pour dénoncer des essais menés par la coopérative. Des plantes qui devraient être brûlées par des désherbants y résistent. Elles y résistent en avalant les molécules qui se retrouvent dans l'alimentation animale ou humaine. Comme 37 autres participants à cette action, Claude Pigneret est poursuivi pour dégradation en réunion, un délit qu'il justifie. Il ne s'agit pas dans le cas précis d'une destruction en réunion dans le but de faire du tort à quelque structure que ce soit ou de faire un quelconque profit pour chacun de nous personnellement. C'est une action pour défendre le bien commun. Pour lui, les plants neutralisés n'étaient rien d'autre que des OGM cachés. Jérôme Cornemillot est le propriétaire de la parcelle dégradée par les faucheurs volontaires. Une petite parcelle comme celle-ci, mise à disposition de Dijon Céréales à l'époque pour y mener des essais. Sur le plateau, on a une grosse problématique avec les géraniums. La culture de colza, elle va plus être possible à cause de cette mauvaise herbe. Et en fait, ils ont essayé une nouvelle variété qui était résistante à un produit qui permettait de détruire les géraniums et de laisser le colza en place. Une nouvelle variété de colza résistante aux herbicides obtenue par mutagénèse. Une mutation génétique autorisée en France, contrairement à la transgénèse, comme l'explique Frédéric Imbert, directeur scientifique de Dijon Céréales. La mutagénèse est une mutation naturelle d'un gène d'une même espèce, alors que la transgénèse est l'introduction d'un gène extérieur à l'espèce pour introduire un nouveau caractère. Nous, nous respectons la réglementation rigoureusement et strictement. Maintenant, s'il y a une position réglementaire qui diffère, de toute façon, les OGM sont interdits aujourd'hui et donc on respecte complètement la réglementation. Et c'est bien cette réglementation que les faucheurs veulent voir changer et éclaircie à l'occasion de leur procès, où même ceux qui ne sont pas poursuivis vont demander à être jugés, comme Pierre Clément, comparant volontaire. On fait partie du collectif des faucheurs volontaires, c'est pas rien, on sait ce qu'on risque, on sait ce qu'on signe, on sait pourquoi on y va. Et donc c'est normal qu'il ne soit pas 38 à être convoqué, mais 67, en tout cas c'est ce qu'on va revendiquer. Le procès qui s'ouvre demain à Dijon doit durer deux jours pendant lesquels les faucheurs vont multiplier les actions de sensibilisation. Mais alors, c'est quoi ces OGM cachés? Les OGM sont des organismes, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement afin de leur conférer de nouvelles propriétés. Par exemple, le fait pour une plante de tolérer un herbicide ou de produire une toxine qui tue les insectes. La directive européenne 2001/18 réglemente la production et la commercialisation des OGM transgéniques et impose qu'elles soient contrôlées. Ainsi, si un produit contient plus de 0,9% d'OGM, cela doit être indiqué sur l'étiquette. La France interdit toute culture d'OGM transgénique sur son territoire depuis 2008, mais elle importe près de 4 millions de tonnes par an de plantes génétiquement modifiées, notamment du soja, pour nourrir le bétail. Dès 2000, des manipulations génétiques autres que la transgénèse apparaissent. Des variétés de colza et de tournesol sont obtenues par mutagénèse in vitro. Mais alors, c'est quoi la mutagénèse in vitro? La mutagénèse in vitro, c'est l'action d'agents mutagènes sur une culture de cellules, alors que la transgénèse est l'introduction dans un organisme d'un gène d'un autre organisme. Ces plantes mutées ainsi créées sont des OGM, mais étaient exclues du champ d'application de la directive européenne jusqu'à ce que la Cour de justice européenne rende son avis le 25 juillet 2018, précisant que la réglementation devait s'appliquer à ces nouveaux OGM. Cependant, ces plantes ne sont toujours ni évaluées, ni étiquetées, comme le sont les OGM. On peut alors parler d'OGM démasqués, toujours cachés. Comme pour tous les OGM, leur culture pose de nombreux problèmes. Sur le plan du droit à l'information, d'abord. Les OGM cachés sont commercialisés et peuvent se retrouver dans nos champs ou nos assiettes, et ceci à notre insu. Sur le plan environnemental,
Parmi ces OGM cachés, on trouve des variétés rendues tolérantes aux herbicides. On les appelle les VRTH, le colza par exemple. Cultivées en plein champ, elles risquent de transmettre leur tolérance aux herbicides aux plantes sauvages et aux cultures environnantes et sont aussi dangereuses que les plantes obtenues par transgénèse. L'utilisation accrue des pesticides chimiques de synthèse a pour conséquence l'aggravation de la pollution des sols, de toutes les eaux et de graves conséquences sanitaires sur tous les êtres vivants. Sur les plans économiques et sociaux, ces cultures contribuent à étendre le monopole des grandes firmes internationales qui brevettent ces semences ou les techniques pour les produire. Enfin, sur le plan sanitaire, ces OGM cachés, n'étant pas évalués et étant récents, nous n'avons aucun recul pour affirmer que leur consommation est sans risque pour la santé. Ces OGM cachés entretiennent un modèle agricole fondé sur des élevages intensifs et des monocultures requérant une utilisation accrue de produits chimiques. L'audience sera finalement reportée pour cause de grève. Les avocats des faucheurs et de la partie civile, la coopérative Dijon Céréales, ont demandé au tribunal le report du procès. Leur seul point d'accord, en attendant de s'opposer sur le fond du dossier. Là, on est sur des OGM obtenus par mutagénèse, qui sont bien qualifiés d'OGM par la réglementation européenne, mais il y a une disposition européenne qui prévoit qu'ils échappent à toute réglementation. Alors, ça posait pas de soucis sur des anciennes variétés qui étaient obtenues par des mutagénèses classiques, mais aujourd'hui, c'est fait in vitro dans des laboratoires. Nous pourrons prouver que nous respectons la réglementation européenne et française et que ce que nous cultivons, ce ne sont pas des OGM. Une bataille de prétoire remise à plus tard. Le procès est reporté au 15 et 16 novembre prochain. D'ici là, la Cour de justice européenne, saisie à la demande du Conseil d'État, aura peut-être tranché et dit clairement si oui ou non, toutes les variétés mutées, quelle que soit la technique, doivent être appelées des OGM. Et donc, trois mois après ce report du procès de Dijon, la Cour de justice européenne a confirmé que les plantes obtenues par mutagénèse in vitro, comme le colza fauché à Dijon, sont bien des OGM. Plus de 100 000 hectares sont cultivés en France chaque année avec des plantes génétiquement modifiées, principalement des tournesols et des colzas. Ces variétés sont les VRTH, les variétés rendues tolérantes aux herbicides. La technique employée, la mutagénèse in vitro, fait partie des New Breeding Technologies. Ces NBT recouvrent un ensemble de techniques récentes en pleine évolution qui ont pour objectif d'introduire ou de générer, en modifiant le génome ou son expression, de nouveaux caractères à des organismes vivants. La biologie synthétique fait partie de ces NBT. Elle est encore très loin de réaliser les applications que fantasment les technoscientifiques. Inventer de toutes pièces des organismes vivants. Mais du petit labo de Dijon Céréales ou de celui de la RAGT au laboratoire super sophistiqué d'un institut de recherche américain, l'idéologie est la même. La meilleure voie possible pour l'avenir de l'agro-industrie sera, au-delà de la modification du vivant qu'offrent les techniques actuelles, d'inventer des bactéries, des plantes. Et plus tard, pourquoi pas des animaux et pourquoi pas des humains ? Et si l'on pouvait créer de nouvelles espèces utiles à l'homme ? Bien plus fort que les OGM, des espèces vivantes fabriquées de toutes pièces. Ces projets un peu fous sont pourtant en marche. Une véritable révolution scientifique. Son nom, la biologie synthétique. C'est une révolution en ce qu'au lieu de chercher à comprendre des êtres vivants qui nous sont donnés comme ça dans l'Arche de Noé, on cherche à en construire, à en créer. Et grâce à de nouveaux outils de pointe, la biologie synthétique ne veut plus seulement manipuler le vivant pour copier et coller d'infimes morceaux. Elle ambitionne, démesurément, de faire des constructions nouvelles de fragments d'ADN, de les assembler comme les pièces d'un Lego pour créer des espèces qui n'existent pas dans la nature. Le défi est d'isoler sur l'ADN des fragments, des gènes, aux fonctions bien précises, pour en faire des pièces standards et interchangeables. Comme les briques d'un jeu de Lego.
Cette nouvelle révolution industrielle utilise les formes de vie. Elle les traite comme des usines à fabriquer des nouveaux matériaux. Et cela va changer considérablement la société. Ça aura un impact majeur sur l'environnement. On voit des sociétés comme Synthetic Genomics de Craig Venter, qui espère qu'il sera le Microsoft de la biologie synthétique, ou le Microsoft, devrait-on dire. Ces gens essaient de verrouiller des positions incontournables et d'acquérir les techniques clés afin de contrôler la discipline tout entière. On a vu ça se produire avec les logiciels, avec les OGM, avec les nanotechnologies. Et maintenant, c'est en train de se produire pour la biologie synthétique. Il est clair que le jeu en vaut la chandelle parce que, ce faisant, on va parvenir à des espèces vraiment artificielles pour le coup et qui vont dépendre d'ingrédients qu'il n'y a absolument pas dans la nature et qu'elles sont incapables de fabriquer elles-mêmes. Le pari de Philippe Marlière, c'est que plus les espèces synthétiques seront différentes des espèces naturelles et moins elles pourront se mélanger. Propulser sur le marché une technologie dont on sait très peu de choses, sans aucun contrôle, régulation ou surveillance, c'est la recette d'un désastre. Car quand cette industrie va rencontrer des problèmes et que quelque chose va aller de travers, comme ça va inévitablement être le cas, ce sera à large échelle, ici, dans le vrai monde, et pas seulement en laboratoire. En 1962, le biologiste visionnaire Jean Rostand s'interrogeait déjà sur le devenir de l'ADN, le DNA. En anglais, comme on l'appelait à l'époque. Mais il est certain que par un moyen ou par un autre, les chimistes finiront par modifier le DNA. Ils feront une sorte d'industrie du DNA, comme on fait l'industrie des matières plastiques. On fera des super DNA. On finira par falsifier le DNA naturel, par le frelater en y introduisant des molécules étrangères. Et alors vous voyez tout ce que cela ouvre d'espoir, de perspective pour l'homme et aussi, disons-le, d'inquiétude. Je vous avoue que pour ma part, car un biologiste a quand même le droit d'être un homme, je doute que l'homme soit actuellement mûr pour prendre en main la commande chimique de son destin. Mais le sera-t-il jamais? On nous dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Le climat, la population qui augmente, etc. Il y a maintenant bientôt un siècle, que les sélections paysannes sont interdites. En tout cas, 50 ans qu'elles sont totalement interdites. En 10 ans de sélection paysanne sur du maïs bio, nous avons les mêmes rendements que meilleurs hybrides dans des conditions d'agriculture biologique et évidemment pas dans les meilleures conditions avec arrosage à outrance qui ne sont pas celles de l'agriculture biologique. On respecte le territoire, on respecte le climat. 10 ans uniquement. Alors, je ne dis pas qu'on a toutes les solutions avec l'essence paysanne. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions. Il y a d'autres solutions au niveau mondial. Aujourd'hui, l'ensemble des travaux qui sont faits de sélection participative avec des paysans pour mettre au point, en respectant les techniques traditionnelles de sélection, on arrive à des résultats. Les meilleures orges ou blés résistants au sel ou résistants à la sécheresse ont été obtenus comme ça au Moyen-Orient. On n'a pas nécessairement besoin des biotechnologies. Il y a d'autres voies. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont interdite. Jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle l'amélioration des plantes, moi j'appelle avant l'amélioration des plantes les sélections paysannes qui existent encore, c'est un processus relativement lent, mais qui respecte le rythme naturel. Ah ben, je ne sais pas qui c'est qui a calculé l'itinéraire, mais il y a un problème de largeur de convoi. Arrivée de Franck au lac Kyr, à Dijon, Franck a parcouru 380 km à pied pour venir comparaître à ce procès. Juste, je voulais vous dire que moi, en fait, je suis paysan, j'élève des brebis et je pratique une agriculture qu'on pourrait appeler une agriculture naturelle. Et quand on pratique cette agriculture, on ne se met jamais dans des impasses. C'est-à-dire qu'il y a parfois des difficultés, mais on arrive toujours à résoudre les problèmes. On ne se met jamais dans des impasses comme celle dans laquelle on se trouve quand on cultive des OGM, par exemple. Cette agriculture que défendent Franck et Guy fournit aujourd'hui 70% de la nourriture de la planète. Les 30% restants sont produits par l'agriculture industrielle. La diffusion d'OGM, le brevetage, les guerres ou le vol de terre fragilisent toujours plus cette agriculture paysanne vivrière dont nous avons besoin. Bien différent du colza de Dijon céréales, détruit par les faucheurs, le colza semé par Frédéric Thomas est un bel exemple de sélection et d'association des plantes. Le colza que vous voyez, il a été semé le 28 août
C'est un colza qui a été semé en associé avec du tournesol, du pois, de la caméline. Il y avait du sarrasin et il y avait de la veste. Donc il y a eu zéro désherbage, aucun insecticide, aucun fongicide. En septembre 2015, se tenait à Pau la rencontre internationale Sème ta résistance. Des paysans du monde entier témoignent, échangent graines et expériences. Khadija Razavi, membre de l'ONG iranienne Senesta, et Nasser Partavir Birdae, paysan, raconte. Et en même temps, chacun cherchait autre chose. Ceux qui avaient des, disons, du bétail cherchaient des pailles plus longues. Ça dépendait. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on est arrivé à ne pas avoir du tout deux fermes ne sont pas pareilles. Ils pensent que si chaque être humain a deux jours pareils, ce n'est pas très, très joli dans sa vie. دروم و خراسان. دست دروم خراسان. تو شرایط دیم که شده؟ تو سس کلچو سش. 300 میلی متر باران؟ 300 میلی متر. طوریه که ما اینو کش میکنیم تو شرایط دیم، آبی کاره ما باورشان نمیشه. میگن این آبیه، آب خورده. Ceux qui font de l'agriculture irriguée, ils peuvent pas la croire. Ah, d'accord. Durum değil, Khorasan değil. Khorasan değil. Okay. Khorasan. Et là aussi, c'est Jean-François qui nous a donné 35 grammes il y a 5 ans. Et cette année, il y avait 6 tonnes après 35 grammes. En 2009, les amis agriculteurs iraniens sont venus sur notre ferme et c'était l'occasion de leur rendre un blé. C'est vraiment l'exemple de l'appropriation par des droits de propriété. Quoi. Une société américaine, c'était Queen, a mis une marque commerciale sur une espèce de blé très intéressante, assez rare, qui est une sorte de blé dur, et dont la région d'origine est la région du Khorasan en Iran. Quoi. Et maintenant, ce blé, il est connu que sous sa marque commerciale, et pas sous son véritable nom, qui est le blé de Khorasan. Et nous-mêmes, les agriculteurs, nous n'avons pas le droit de l'utiliser si autre que sous ce nom. Et lorsque nous l'utilisons avec le nom Kamut, que tout le monde connaît, il faut payer une redevance à cette société pour l'utilisation de cette semence, alors que ce blé vient d'Iran. Donc quand les amis agriculteurs iraniens sont venus, je leur ai donné un fond de main, il y avait 30 ou 40 grammes de graines, en leur disant, eh bien, ce blé qui vient de chez vous et qui s'appelle Kamut, nous l'appelons le blé de Khorasan et nous vous le rendons et j'espère que vous le cultiverez parce que chez vous... Là, ils ont dit, mais ce blé-là, on le connaît, on l'a plus en fait, quoi. Il vient de chez nous. Mais j'ai dit, oui, bien sûr, il s'appelle même blé de Khorasan. Et Ahmad l'a cultivé un an, deux ans, et je crois que maintenant il a plusieurs tonnes. Et Ahmad m'a redonné un petit peu de graines qui avaient poussé en Iran pour que je le remette chez moi. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que je l'ai ressemé cette année, et les épis, les grains sont beaucoup plus gros. C'est comme si ce retour au pays de ce blé l'avait redynamisé, parce qu'en fait, quand je l'ai semé, je ne l'ai presque pas reconnu, tellement les épis étaient gros, les barbes plus longues. Donc ça a vraiment un bel exemple de l'enrichissement par les échanges qui sont indispensables et qui ont toujours fonctionné comme ça depuis la naissance de l'agriculture, depuis que des gens se promènent et que mettent des grains dans la poche et les ressèment. Et ça, c'est la chose la plus précieuse dont on a besoin et dont il faut absolument qu'on ait cette possibilité-là de pouvoir échanger nos graines. Si moi, je prends très au sérieux avec Mariam, c'est que on est en train de se donner tant de peine pour réhabiliter les semences paysannes, pour arriver à nos traditions. Et si on ne fait pas attention, les OGM vont, disons, contaminer tout ce qu'on a fait. C'est pour ça que, parallèlement, on est en train de lutter férocement, parce que pour moi c'est des criminels, férocement avec les OGM, les empêcher qui viennent sur nos terres et sur les terres du monde. À ceux qui veulent dominer le monde, nous restons.